Hey, bonsoir, pardonnez, désolé. Bonsoir. Voilà, je viens pour une petite vidéo par rapport à Didier Drogba et à tous les anciens footballeurs et tout. Moi, je comprends pas. Hein. Nous, les Ivoiriens, là, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi nous voulons toujours décider pour les autres? Quelqu'un dit qu'il a la possibilité de choisir. On lui a donné deux personnes. Il a fait son choix. Maintenant, pourquoi vous, ça vous dérange? Moi, je ne comprends pas quoi. On dit que c'est un vote. C'est un choix. Il a deux personnes en face de lui. Il choisit telle personne. Pourquoi vous, ça vous dérange? Je ne comprends pas les gens, quoi. C'est devenu sorcellerie. Donc, c'est ce que vous voulez là. C'est ça, les gens n'ont qu'à décider. Les gens n'ont qu'à vivre pour vous. Ils vivent pas pour eux. Nous tous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Nous tous, on veut Drogba. Oui, on veut Drogba. Mais eux qui sont avec Drogba, là, eux disent qu'ils ne veulent pas Drogba. C'est eux qui ont fait leur choix. Ils ont donné leur avis. Maintenant, pourquoi nous, on les insulte? Pourquoi on trouve qu'ils sont sorciers? Mais sachons respecter le choix des autres. Pourquoi on ne sait pas respecter le choix des autres? Hein? Pourquoi on ne sait pas respecter le choix des autres? Si Kalou Bonaventure dit, lui veut telle personne, toi tu es qui pour venir lui dire que c'est pas lui qui doit choisir lui. Il a fait le choix pour lui. C'est lui qui sait sur quoi il a assis, puis il a fait son choix. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est son choix. Est-ce que pour autant tu as venu le traiter de sorcier? Tu as venu le traiter de méchant? Tu as venu le traiter... Pourquoi même vous voulez vivre à la place des autres? Pourquoi c'est vous qui pensez que vous savez comment les autres doivent vivre? Pourquoi? C'est quelle manière de vivre ça? Et vous prenez vos caméras, vous déposez, vous insultez les gens, vous parlez mal des gens, vous racontez, on ne sait même pas ce que vous racontez. Dans ces modèles de blogueurs qu'on a eu sur Facebook, c'est ça qui est là. Chacun n'a pas le choix. Rotini, il te cherchait. La dernière fois, il te cherchait jusqu'à. Il voulait te 10 fois aller. Toi, tu as besoin de quelqu'un pour gratter ton truc là. Il y a une go là-bas. Là. Elle cherche ça. Elle a envie de gratter ça. Pardon. Faut aller là-bas. Elle va gratter, s'il te plaît. La dernière... Il voulait te mettre même. Il voulait te mettre en titre. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes en train de traiter les autres de sorciers. Vous êtes en train de traiter les autres de méchants. C'est vraiment pas gentil. C'est vraiment pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Oui. Drogba, là, il est occupé. Il a ses priorités. Il a des choses à faire. Ils sont en groupe depuis longtemps. Drogba est venu à une seule réunion. Parce qu'il était occupé. Peut-être ils ont trouvé que parce que Drogba est trop occupé, il n'a pas trop le temps d'être présent et ils ont choisi quelqu'un d'autre. C'est pas pour autant qu'ils sont jaloux de Drogba ou bien ils pensent que Drogba n'est pas à mesure d'assumer. C'est eux qui font les choix. Même si on n'est pas d'accord avec ça, même si ça nous fait mal, même si c'est blessant, même si c'est choquant, c'est leur choix. C'est leur avis. Maintenant, nous sommes qui pour venir discuter la vie? Si Samuel Eto'o, il n'arrive pas en Côte d'Ivoire, le football ivoirien ne peut pas évoluer. Si Messi n'arrive pas en Côte d'Ivoire, le football ivoirien ne peut pas évoluer. On a qu'à trouver des solutions pour que le football ivoirien avance. Vous êtes en train de dire que c'est forcément lui. Mais eux qui votent là, ils disent qu'ils ne le veulent pas. On ne trouve pas d'autres solutions. On est là en train de les juger, on est là en train de les insulter. Si Ronaldinho là, il vient pas en Côte d'Ivoire, le football ivoirien ne peut pas avancer. C'est eux qui ont fait le football de tous les pays là. Drogba n'est pas irremplaçable. C'est vrai que ça fait mal. Mais ceux qui décident de voter là, ils disent qu'ils ne le veulent pas. Maintenant, c'est quel problème on s'en cherchait maintenant? Ils sont allés voir Drogba depuis 3 ans pour lui dire. Il a dit que ce n'était pas possible pour lui. L'autre gars est venu dire, ah moi je serai candidat, c'est possible pour moi. Ils se sont arrangés, ils ont fait des alliances. Maintenant le gars vient, ils disent, mon frère c'est trop tard parce qu'on s'est déjà arrangé lui là. Vous les maudissez. Joe.
vraiment. C'est vraiment méchant, hein. C'est vraiment méchant. Vous avez déjà habité à Drogba. Vous avez déjà dormi à Drogba. Vous connaissez la manière de vivre de Drogba. Vous l'avez côtoyé une fois. Vous savez comment il fonctionne. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous avez déjà joué avec lui. Non. Vous n'avez jamais côtoyé la personne. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas son comportement. Vous ne savez pas s'il est présent, s'il est absent, s'il a beaucoup de choses. Vous ne connaissez même pas le nombre d'activités que Drogba a. Si ils ont estimé que Drogba a beaucoup d'activités et que ces activités-là l'empêchent d'être présent au sein de la FIF et que c'est pour ça qu'ils vont choisir quelqu'un d'autre. Maintenant, nous, là, ça nous dérange pourquoi? Non. Toi là. Toi monsieur là. On dit plus le nom. Mais tu sais que c'est qu'ils sont en train de parler de toi. Tu as fait ta vidéo aujourd'hui. Tu es en train de raconter n'importe quoi. Quand c'était une affaire d'argent là. Quand tu avais proposé l'argent là. Pour parler de Drogba là. Tu as parlé de Drogba jusqu'à le jour où l'argent là n'est pas arrivé là. On t'a vu sur la toile. Tu parlais pour tes intérêts. Tu as oublié à faire de Drogba là. Tu as oublié que tu étais en train de défendre Drogba. Tu es venu t'asseoir. Tu as fait des vidéos à la con. Et ça a entaché la réputation de ce Drogba que tu es en train de défendre aujourd'hui là. Ça a entaché sa réputation. Ça a entaché sa réputation. Maintenant quand on t'a donné l'argent, c'est là que tu viens t'asseoir pour parler. Parce que tu as reçu ton argent. Donc tu dois finir le boulot. Ne venez pas nous emmerder. Hein? Ne venez pas nous emmerder avec vos problèmes là. Toi la dernière fois. Moi Edwige. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour aider Manu Joly. Je vais mettre une partie de ta vidéo. Tu vas bien regarder. Et puis tu vas voir si ce n'est pas la même chose là que tu m'as faite à moi. Tu vas voir si ce n'est pas la même chose que tu m'as faite à moi. Je ne t'ai pas appelé pour qu'on puisse aider Manu Joly. Pour qu'on puisse se mettre ensemble malgré les problèmes qu'on avait toi et moi. Est-ce que je ne t'ai pas appelé? Et tu m'as dit quoi? Mais j'ai respecté ta décision. Je l'ai respecté, je me suis tué. C'est toi qui t'es permis d'aller chez mes ennemis pour aller raconter ta mauvaise version de l'histoire. Quand je t'ai appelé pour qu'on se mette ensemble pour aider Manu Joly, là, qu'est-ce que toi tu as fait? Je ne voulais pas que c'est toi qui sois en haut. C'est pas toi que je voulais mettre en haut. C'est pas toi que je voulais mettre en haut comme ça. Malgré les problèmes que j'avais avec toi. J'ai enlevé les problèmes là. J'ai dit je vais le mettre en haut parce qu'il le mérite. Malgré les problèmes qu'on avait. C'est pas toi-même que tu as refusé. Demain, moi, Edwige, j'avais m'appelé pour dire que toi, on doit te voter quelque part. Et tu penses que moi, je vais accepter? Tu penses que moi, je vais accepter? Si c'est moi, mon vote, on attend là. Même si demain, on devient les meilleurs amis. Même si demain, ton frère vient, je sais pas, un de tes parents devient peut-être membre de ma famille. Tu penses que si moi, on m'appelle pour dire que toi, là, il doit te prendre parce que non, il y a un groupe de blogueurs, on a besoin de ta signature. Tu penses que moi, je vais te donner ma voix avec ce que tu m'as fait? Tu penses que eux, là, quand ils se déplacent, ils n'ont rien à faire pour aller aux réunions? Quand ils vont aux réunions, là, tu penses qu'ils n'ont rien à faire? Ils laissent toutes leurs activités et puis ils vont aux réunions. C'est Drogba qui est trop occupé. C'est lui qui est trop occupé. Malgré qu'il est vice-président, il est trop occupé. Ils savent que Drogba est trop occupé. C'est pour ça qu'ils disent Drogba, faut laisser ça là. Tu es trop occupé pour faire ça là. C'est leur choix. Même si on n'est pas d'accord avec leur choix. En quoi ça nous donne le droit de venir les insulter? En quoi ça nous donne le droit de venir les maudire? En quoi ça nous donne le droit de venir briser leur carrière? En quoi ça nous donne le droit à des gens qui ont porté notre maillot? À des gens qui se sont battus pour nous? On va venir leur ressasser tous leurs échecs qu'ils ont faits. Drogba n'a pas eu d'échecs dans l'équipe nationale ivoirienne. Drogba n'a pas vécu des situations où nous-mêmes, les Ivoiriens, étaient découragés de lui. Mais malgré ça, là, c'est Drogba en veut. C'est Drogba en veut comme président de la FIF. C'est lui en veut. Mais nous, notre choix, là, c'est pas le choix des autres. On n'impose pas, nous, notre choix aux autres. Eux, ils ont fait leur choix.
Ils ont donné leur avis et on se doit de le respecter. On se doit de le respecter. C'est ça, on dit vivre dans un pays démocratique. C'est ça qu'est la démocratie. Si vous ne savez pas, c'est ça qu'est la démocratie. Chacun est choisi comme il veut. Quand il veut, au moment où il veut. C'est ils disent oui ou bien non. Si eux, ils disent non, là, toi, là, ça te dérange où? Ça te dérange où? Pourquoi vous voulez imposer votre système de vie, votre rythme de vie aux autres? Il y a quoi? Il y a quoi? Chacun a sa vie. Nous tous, on vit notre vie, on a des soucis. On ne vient pas prendre ça pour charger le monde entier. Arrêtez de nous emmerder. Je vais mettre ta vidéo. Tu vas entendre ce que toi-même, tu as dit aux autres là. Et puis, je vais te répéter ça. N'importe quoi. Vous êtes sur la toile. On ne sait même pas ce que vous cherchez. Vous êtes des bidons, 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 bidons. À moi, elle dit ça. N'importe quoi. Je parle de qui je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ça. Chacun est libre de donner son opinion. Voilà, c'est tout. Tu as dit quoi? Quel que soit le problème qu'on a avec un individu, si on sait que cette personne-là peut nous aider à faire quelque chose là, on doit aller voir la personne. C'est pas ce que je t'ai fait et puis tu as trouvé que c'était mauvais. Je ne suis pas, quel que soit le problème que moi, Edwige, j'avais avec toi là, je ne suis pas allé te voir pour te dire, aidons Manou, tu as fait quoi? Tu as trouvé que tu étais guindé? Oui. Tu m'as demandé tu es qui même. Comme si tu ne me connaissais pas. Sachant que je sais que tu sais qu'on se connaît très bien. Mais tu t'es guindé. Pour dire, c'est qui même au téléphone pour m'enregistrer. Fais sortir les notes vocales, les gens vont écouter. Fais sortir les notes vocales, les gens vont écouter. Vous êtes spécialiste d'enregistrement. Ah donc pour Drogba là, les gens n'ont qu'à aller le voir. Mais toi là, on ne peut pas venir te voir pour te dire, viens, on va aider quelqu'un. Non, toi tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un parce que toi tu es trop fort. On va réécouter. N'importe quoi. C'est pas ça que je suis venu faire toi. Je suis pas venu vers toi pour dire que tu es la bonne personne pour parler de Manou. Que tu la connais personnellement. On va mettre ça en place. Je vais envoyer ça à Manou. Manou va t'envoyer ça. Comme ça, tu pourras parler de ça. Je suis pas venu te voir pour qu'on puisse se mettre ensemble pour aider Manou. Toi, tu as dit quoi? Tu es mauvais, toi, l'enfant. Tu es mauvais. C'est moi, j'ai dit ça. Mais c'est pour Drogba, là, tu connais. C'est pour Drogba, là, tu connais. Pour toi, là, tu connais pas. Et toi, tes nombreux problèmes que tu as, ton orgueil qui te dépasse, là. Tu vois pas, hein. C'est pour Drogba, là. Les autres, là, n'ont qu'à laisser leur orgueil. Toi, tu es même chose que. Toi, là, tu es même chose que. Méchant comme ça. Pourquoi vous-même, vous vous imposez pas vos règles et puis vous imposez les règles aux autres. Toi-même, tu pouvais pas t'appuyer sur ça aussi. Tu pouvais pas t'appuyer sur ça. Hein? Tu pouvais pas t'appuyer sur ça.
C'est pour les anciens joueurs, là, tu connais. Hein? Oh, aussi, ils ont le droit de dire non. De toute façon, tu m'as dit non. Et puis, j'ai accepté, là. Oh, aussi, là, ils ont le droit de dire non. Donc, c'est pas toi qui vas venir t'asseoir pour les juger. On a vu quand tu as eu problème avec quelqu'un de Drogba, on a vu comment tu t'es comporté. Tu penses à tes intérêts. Eux aussi, là, ils pensent à leurs intérêts. Maman, j'ai encore faim. J'ai encore faim. Eux aussi, ils pensent à leurs intérêts. J'ai compris. C'est toi qui tues, c'est ce que tu veux. Eux aussi, là, ils pensent à leurs intérêts. Si toi tu penses à tes intérêts là, eux aussi pensent à leurs intérêts. Hein? Donc laissez les gens penser à leurs intérêts. Vous avez compris? Chacun pense à son intérêt. Drogba là, quand trois ans en arrêt, qu'ils sont allés le voir pour lui demander d'être à la tête là, il a pensé à ses intérêts. Il a pensé à ses intérêts et puis il a dit non. Il a pensé à lui, ses intérêts. Et puis, il a dit non. Il ne pouvait pas laisser ce qu'il était en train de faire là pour venir diriger la FIFA. Quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire là, c'est là qu'il a décidé de venir diriger la FIFA. Lui aussi, pense à ses intérêts. Laissez les autres vont penser à leurs intérêts aussi. Chacun a ses intérêts dans la vie là. Chacun a ses intérêts. On ne vit pas pour les autres. On vit pour soi. On vit pour soi. On ne vit pas pour les autres. Vous êtes là, vous êtes sur Facebook, on ne sait pas ce que vous cherchez. On ne sait pas ce que vous cherchez. Venez créer des problèmes aux gens. Vous passez votre temps à venir créer des problèmes aux gens. À cause de vous, les gens, même, ils ne savent même pas où ils vont se mettre. Ils ne savent pas à quel saint ils vont se vouer. Ils sont obligés de consulter la toile pour savoir ce qu'ils doivent faire. Il y a quoi? Laissez les gens vivre tranquille. Laissez les gens vivre tranquille. Si moi, ils décident de voter telle personne, en quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? S'il vous plaît, laissez les anciens footballeurs en paix. Ils ont pris leur décision, c'est leur décision. On se doit de le respecter, même si ça ne nous plaît pas. Même si ça ne va pas dans notre vision, oui, à quelque part, Drogba aussi a sa part de responsabilité. C'est lui qui veut être président. Il connaît bien les rouages de ce pays-là. Il connaît très bien. Il connaît très bien. Donc si vous avez pensé que c'était Facebook qui allait le faire gagner, là, vous avez échoué. Commencez à aller les voir individuellement, oui. Commencez à aller le voir. Nous tous, on aime Drogba. Nous tous, on veut que Drogba soit président de la FIFA. Mais il y a la manière de devenir président. Oui. Il y a la manière de devenir président. Tu dois pouvoir convaincre ceux qui votent. C'est ceux qui votent là. Ils n'ont pas voté pour toi. Mon frère, accepte la décision. La bataille là est perdue. Mais la guerre n'est pas encore finie. Il y aura encore une autre élection. Tu as le temps de te préparer. Et de revenir en force. Oui, tu as le temps de te préparer et de revenir en force. C'est comme ça. Quand on est dans une association, il y a des règles qu'on doit respecter. S'ils disent que tu es venu une fois, et que là, une fois, là, ça les dérange, ils ont tout à fait raison. Parce que eux, là, ils viennent aux réunions. Ils viennent aux réunions. Ils ont des choses aussi à faire. Mais ils viennent aux réunions. Mais ils ont trouvé que tu étais trop occupé. Oui. Ils ont trouvé que tu étais trop occupé. Donc prochainement, il faut aller aux réunions. C'est comme ça. Tout le monde est comme ça. Même ceux qui ne sont pas d'accord là, vous êtes comme ça. Quand il y a réunion là, ceux qui ne viennent pas à la réunion là, on est fâchés contre eux. Oui, on est fâchés contre eux. Parce que nous, on fait l'effort de se déplacer. On laisse nos activités, on se déplace pour aller causer ensemble, pour aller faire des réunions. Même si ce n'est pas important, tu as accepté d'être dans cette association. Donc, tu te dois d'être aux réunions. Mais tu ne viens pas aux réunions. Les gens ont pris leur décision. Ils ne t'ont pas mis dedans. Maintenant, c'est Facebook qui va venir les juger. C'est Facebook qui va venir les juger. Il y a quoi? Il y a quoi? Eux, ils ont donné leur version. Essayez au moins d'écouter leur version. Mettez-vous à leur place. Vous travaillez avec quelqu'un. La personne ne vient jamais aux réunions.
Aïe, moi je comprends pas. C'est vrai. Mais c'est vrai, en tout cas, si c'est moi, il va dire non. Oui, moi je ne savais pas ça. Sinon, il va dire non. J'aime Drogba, je veux qu'il soit président. Mais on fait des réunions, toi tu viens pas aux réunions. C'est comme on fait, alors qu'on appelle ça. Il ne comprend pas. Il vient pas aux réunions, il est occupé. Drogba, il est occupé, c'est un grand homme. Il est mondial, il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à faire, il a des entreprises, il a d'autres associations. Ils ont estimé que Drogba était trop occupé. Même si Drogba est bien, il est qualifié, il est en mesure, pardonnez, il est en mesure de prendre cette responsabilité-là. Mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Donc ils ont décidé que ça ne les arrangeait pas parce que Drogba n'avait pas le temps. Il y a d'autres qui ont pensé que c'était un manque de considération. Oui, ça peut être frustrant. Que toi, tu fais des efforts pour venir tout à une réunion et il y a ton collègue qui ne vient pas. Quand tu l'appelles pour dire pourquoi tu ne viens pas, ah, je suis dans tel endroit, je suis entre deux avions, j'avais une séance, j'avais une réunion avec Messi, mais demain, si on doit te choisir, là, pourquoi on va te choisir? Tu n'as jamais le temps. Comprenez au moins les gens. Ils se basent sur leurs expériences. En quoi c'est la jalousie? Ils ne pourront jamais revivre la carrière de Drogba. En quoi? Vous tous, c'est la jalousie. Quelqu'un dit je ne veux pas, il est jaloux. Ils n'ont qu'à accepter comme des moutons. Oui, 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 oui. Ils sont des moutons, les bénis, oui, oui. Mais je ne veux pas, je ne veux pas. En quoi je suis jalouse? En quoi je suis aigrie? En quoi je suis hypocrite? Ça peut être mon ami, oui. Mon ami peut avoir besoin de moi. Mais je sais que chez moi, à la maison, là, mon mari, là, il est bandit. On ne sait jamais. Il dit à ma copine, tu ne peux pas t'héberger. Elle va penser que je suis contre elle. Mais je protège mes intérêts, mon frère. Je protège mes intérêts. Ce n'est pas contre elle. C'est pour moi, je le fais. Chacun pense pour son bien. Joe, donc commencez à respecter la décision des autres, même si ça ne vous arrange pas. Ce n'est pas votre décision, c'est la décision des autres, s'il vous plaît. Nous tous, on n'a qu'à prier pour voir comment Dieu peut faire. Drogba va être président. Ce n'est pas encore trop tard. Il peut être président. Mais, sachons respecter le choix des autres. C'est ce que j'avais à dire. Sachons respecter le choix des autres. Chacun est libre de donner son avis. Chacun est libre de donner sa position. Voilà. Donc, n'emmêlez pas les gens. Ne nous emmêlez pas. Voilà. C'est pour eux là-bas. Ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est pour eux là-bas. C'est eux qui savent. Laissez-nous ici. Quand c'était pour te donner l'argent, là, tu étais premier, tu courais pour ça. Clic, 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 clic. Aujourd'hui, c'est droit qui vient défendre. La marmaille de ça. La marmaille même. Venez nous embrouiller encore. Vos bêtises là. Donc l'autre qui est candidat là, lui n'a pas le droit d'être candidat. Lui aussi n'a pas le droit d'avoir des ambitions. Lui aussi n'a pas le droit d'avoir des projets. Donc lui aussi là, il veut rester en bas et puis il va laisser les autres vont diriger seulement. Mais lui aussi veut être président. Il se donne les moyens d'être président. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Il se donne le moins de présents. Si les autres l'ont choisi, il y a quoi? Il y a quoi? Ils l'ont choisi. Et puis on avance. La démocratie, vous ne connaissez pas ce que c'est que la démocratie? La liberté de choisir, s'il vous plaît. Les gens sont libres. Ils ne vivent pas pour vous. Ils vivent pour eux. À bon attendeur, salut. C'est Edwige qui a parlé. Vous aimez trop ça? Nous a m'aider maintenant sur Facebook. Là. Vous n'avez pas d'autres sujets? Toujours pour parler de la vie des autres. C'est toi, tu connais le parcours des gens. Tu sais pas où ils ont passé. Tu sais, connais quel but ils ont raté. Toi-même, ta vie, on va regarder, mais tu connais pas. Laissez les gens vivre leur vie. Et puis, vivez la vôtre. Et vous remercie. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Tous ceux qui sont pas d'accord avec moi. Je suis libre. C'est votre choix. Chacun a son avis. Il est donné pour moi. Vous avez donné vos avis en commentaire. Chacun est libre. C'est la liberté, c'est la démocratie. À bon attendeur, salut. Voilà.